Bien le bonjour les grimpeurs, aujourd'hui on va parler conseils en escalade et quoi de mieux que de grimper avec directement ben vous en fait. Je suis en compagnie de 4 abonnés, donc on va faire une séance tranquille, on va partager des méthodes d'escalade et on y va de suite. Grimpe bien, je t'analyse. Hein. Bien, c'est propre. Bien joué. Propre, bien joué. Yes. Allez, yes. Nickel. Un peu plus au-dessus, on reprend la mieux. Yes. Allez. Yes, nickel. C'est bien ça. C'est bien. Elle est un peu en dévers aussi, hein. Ouais. C'est pas évident. Nickel. Parfait ça. Bah qu'on aille sur un truc un peu plus vertical du coup pour le prochain. Bien au-dessus. Faut faire un câlin à la prise. Nickel. Parfait ouais. Ça. Allez Gaël. Allez, yes. Parfait, ça. Nickel. Ça se place bien, hein. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire. T'as pris des professionnels, hein, déjà. En vrai, vous vous placez bien. Vous êtes trop yes. À l'aise. Bien joué. On va aller dans des styles un peu différents. Maintenant, on va faire de la dalle, voir comment vous en sortez sans les mains. On va commencer par la jaune et ensuite on fera la verte peut-être. Tu pars pied droit là et pied gauche comme ça. Hop. Aïe, ça fait mal aux pieds, pieds nus quand même. Tous les blocs qui sont sur cette partie, c'est les parties dalle ou verticale, c'est pas mal de placement et d'équilibre. Allez, tranquille. Cherche à aller vertical si tu veux au début. Non. Allez. En plus, c'est la brise blanche. Oui. Ah oui, non. C'est pas facile quand t'as pas de main, qu'il faut juste forcer sur les jambes. Yes. Comme ça, là, tu es obligé de bien passer les jambes et les pieds. Enfin, les pieds, surtout. Yes, nickel. Yes. Allez, comme si tu montais une marche, sauf qu'elle est un peu plus haute. Allez. Démonstration, Adrien. Ok, wow, bien joué. Il fallait passer le cap. Ça demandait beaucoup de force mentale. C'est vrai. On va essayer quelque chose.
T'as dit à tout le monde sans les mains et toi tu t'y fais. Ça me fait trop. Ah, c'est vrai que c'est haut. Peut-être. Je sais pas en vrai, tu sais, parce que dos au mur là, c'est peut-être plus simple pour monter en vrai. Vu que t'es. En fait, tu peux t'appuyer contre le mur, tu vois. Donc t'as pas peur, tu sais, t'es un peu en mode défensive comme ça. Vas-y, mets-toi de dos carrément. Justement, c'est ce que j'ai dit. Ah non, ça fait peur, Je suis pas à l'aise, hein, non. C'est vrai. Bon, en fait, je dis des conneries. Oui. tu veux pas. Nouvelle technique. Tu sais, si t'as pas la force de vraiment te lever sur ton pied gauche, tu peux même mettre la main, tu vois, et pousser sur ta jambe en plus. Non, vraiment, c'est des trucs, ça peut aider. Comme en rando, quand t'as plus de force, tu... Yes. Comme tu le sens. Une main, deux mains. Yes, 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 yes. Oui. Yes, yes. Bravo. C'est bien ça. Est-ce que ça aide un petit peu la main? Très bon conseil. Ah, ça c'est bien. Ça en aime. Très bon conseil. Oh. Décale le poids du corps bien au-dessus de la prise, comme ça. Ouais. Yes, oui. Yes. Ouais. Bien joué. Bravo. Bah c'est bien. Super. Bien joué. Là on est sur un move dynamique en deux temps où d'abord tu vas chercher à bien poser le pied là, tu vois, et après c'est main gauche un peu style pommeau et main droite là-haut, tu vois. On travaille les points faibles. Allez, ça c'est mon point faible. C'est dur. Ce que j'aime faire, c'est se balancer, voir où tu mets le pied et ensuite tu vois. C'est une réception barbare un peu là où... Là t'es parti en gros presque d'ici pour faire ça. Du coup t'avais pas assez de vitesse, moi je parle vraiment de tout là, tu vois, pour faire... Ah oui, mais... C'est vrai que le balancer de la jambe, c'est vrai. Le balancer de la jambe, ça t'envoie tout le corps, ouais. Faut le sentir, mais petit à petit tu vas plus loin sur le côté et ensuite si tu mets bien le pied gauche, ça te permet d'aller au-dessus. Ça tient. Wouh. Allez Valentin. Wow. Trop stylé. Stylé, bien joué. Trop stylé en vrai. Yes. Bien joué. À mon avis, premier move, pour aller là-bas, il faut que cette prise, tu l'aies un peu comme ça. Pour que quand tu ailles là, tu vois, ça tienne bien. Si tu l'as comme ça, tu vas aller chercher là, et tu n'auras plus rien qui te rattrapera de ce côté, tu vois, du coup, tu vas faire... Tu vas prendre plutôt peut-être comme ça, tu vois, monter les pieds là, peut-être une lolotte comme ça, et aller chercher ça, tu vois. Là, c'est la jambe, moi, qui prend tout, hein. Tu vois, j'ai le bras tendu, et c'est ça. Et après, tu peux monter et faire les... Voilà, oui. C'est sûr. Tout pareil sauf la fin. Yes. Yes. Parfait ça. Allez, 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 allez. Nickel. T'as le volume là aussi peut-être qui peut t'intéresser à ton pied gauche. Pied gauche là t'as toute cette partie qui peut tenir si tu veux. Allez, yes, ramène, prends par derrière là, la main. Nickel.
Allez, pareil. Respire bien. Yes. Allez. Oui. C'est des bonnes filles. Main droite, c'est là-bas plutôt. Allez. C'est parti. Oui. Ok, yes, yes. Allez, pied à droite. Parfait. Allez, tu peux monter le pied aussi si t'as besoin. Yes. Bravo. Trop stylé. Bravo. Bien joué. Et magnifique. Hein. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Encore un grand merci pour votre participation à Valentin, Amélie, Gaël et Adrien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.